Et les personnes viennent avec leur, leurs propres emballages et leurs propres sacs. Après, on a fait un petit stock de, de, de BocoVide pour, pour les personnes qui oublient, qui oublient de, de venir avec. C'est une micro-épicerie autogérée qu'Antoine a aménagée dans sa cave. Café, pâte, huile, produits d'hygiène, une vingtaine de résidents du quartier s'approvisionnent en produits bio, locaux et équitables quand ils le désirent. Sans oublier de noter le montant des achats effectués qu'ils paieront à la fin du mois. C'est hyper pratique, sinon on est toujours obligé de, de prendre la voiture ou les transports en commun pour trouver quelque chose d'intéressant quand on habite en plein centre-ville, ce n'est pas évident. Et puis, euh, puis c'est dans un esprit de convivialité. L'avantage qu'on a, c'est qu'on sait d'où viennent les produits. Euh, on a quand même une traçabilité. Et au final, c'est moins cher pour le porte-monnaie. Un simple placard chez un particulier ou encore un vestiaire d'usine peuvent aussi faire l'affaire. Pour cela, il suffit qu'un groupe de consommateurs composé de voisins, d'amis ou de collègues décide de gérer leur petite épicerie en toute convivialité. Un concept initié par Trois Petits Pois, une coopérative qui avance le prix du stock et approvisionne les épiceries autogérées une fois par mois. Ça part d'un groupe de personnes qui ont envie de consommer des produits responsables. Ce groupe de personnes va trouver un local où on va pouvoir laisser un stock. Julien et Olivier, les fondateurs de Trois Petits Pois, ont déjà monté 11 micro-magasins sur Lyon et ce n'est qu'un début. L'agglomération pourrait en compter plus d'une trentaine d'ici 2012.